Abidjan-Cocody, les deux plateaux. Les tout petits de la religion musulmane font du porte-à-porte pour dire Sambé-Sambé à leur connaissance. C'est-à-dire leur souhaiter une bonne et heureuse année en ce jour de la fête de Tabaski. Si on a fini la prière, on s'en mangeait. On finit de manger, on s'en souhaitait une bonne fête à les gens et puis ils vont nous donner l'argent. Il y a des jours, ils me font des cadeaux, des surprises. Ça m'ont tout de partout, ils souhaitaient bonne année. Après les deux plateaux, cap est mis sur Williamsville. Là encore, l'ambiance reste le même. Cette fois-ci, ce sont des fillettes qui envahissent les rues à la recherche de petits jetons de Sambé-Sambé. Pour certains parents, le Sambé-Sambé fait partie de la tradition de l'islam. Et Abdoulaye Kourouma s'en souvient bien. Les tantes, les grands frères pouvaient nous donner même 500, même 1000 francs. Bon, vraiment, on était contents. Je me rappelle très bien, une année, on faisait Sambé-Sambé. Il y a un monsieur qui nous a donné 2000. Chaque jour qu'il est parti à l'école, il demandait l'argent qu'on appelle à maman. Un jour, il me dit, ah, que les 2000 que tu as donné là, l'argent là est fini. Il dit non, c'est deux gros billets qui t'ont donné. Maman dit non, c'est déjà fini. Pour moi, le billet finissait pas. Hein. Donc chaque jour, je réclamais toujours à maman. Les petits jetons recueillis sont utilisés dans les supermarchés pour des achats de biscuits et du lait par les tout petits qui fêtent la Tabaski dans la ferveur.